Yo les amis, c'est François Thier. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je sais, ça fait long. Mais j'ai une explication, Je sais, non, me tapez pas, s'il vous plaît. Oh, au revoir. Non, je plaisante, je vais pas commencer à faire le débile. Alors que là, je vous dois des excuses. De un, vous avez vu les AirPods. Pourquoi j'ai des AirPods déjà? Vous avez vu, j'ai dû casser un peu la tirelire pour m'acheter parce que les écouteurs et tout, mes chats ils bouffaient tout. Du coup, j'en avais marre et là. BG avec moi, bon, bref, j'étais déjà BG avant. Bon. Et du coup, les amis, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pourquoi je les ai. Ça ne répond toujours pas à la question. C'est parce que je pense que si je les connecte à mon téléphone et que je filme avec, et ben j'aurai un meilleur son. Je verrai ensuite quand je regarderai la vidéo. Du coup, pourquoi je ne fais pas de vidéo et aussi pourquoi je cligne des yeux tout le temps. Ça c'est surtout si, bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai juste une allergie en ce moment et voilà. Et du coup, je prends des médicaments, bref, on s'en fiche. Et aussi avec mon nouveau trépied, ça m'éclaire les yeux. Et du coup, ça illumine. Et aussi, j'ai des cernes parce que, à force de l'âge, tu vois, tu commences à moins dormir quand t'as un examen en fin d'année. Bref, du coup, les amis, je vous explique. J'ai tourné plusieurs vidéos depuis qui se différencient il y a quelques mois. J'ai déjà tourné un jeu vidéo de Pikuniku. Et ensuite, j'ai tourné une vidéo de. C'était une vidéo, ah oui, mon décor. C'était une vidéo de mon décor qui est juste en face de moi. C'est pour ça que j'ai ce drap derrière. C'est parce que je n'ai pas encore posté la vidéo de mon décor qui est juste en face de moi. Parce que pour une raison que je vais vous dire maintenant, enfin dans quelques secondes, après la pub. Non, je déconne. Bon, bref. Ensuite, après, j'ai tourné une vidéo où j'ai reçu le grand trépied là et un mini trépied. Et d'ailleurs, ce le petit trépied là que vous verrez quand je posterai la vidéo dans des mois parce que. Le problème n'est pas prêt de s'arranger. J'en ai racheté un autre parce que, puisque chez moi il fait chaud. Le trépied a cassé avec l'humidité. Du coup, j'en ai racheté un autre. Et du coup, les amis, je viens à l'annonce de cette vidéo. Pourquoi je ne fais plus de vidéos? Deux raisons. De un, je rentre dans une période où j'ai un examen en fin d'année et que maintenant l'école c'est plus tu fais des devoirs en exercice avant de dormir et c'est bon. Non, maintenant c'est vraiment très très chaud. Du coup j'ai beaucoup moins de temps, mais ça c'est pas la raison principale. Vous voyez, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'arrêtais pas de faire des vidéos et tout d'un coup j'ai arrêté. En fait c'est revenu avec un problème principal. Le montage. Il n'y a rien, j'adore le montage, même si des fois c'est un petit peu énervant, c'est répétitif. Mais sinon, j'adore le faire, j'adore m'éclater à faire des effets spéciaux dessus. Mais le problème, c'est que j'ai eu plein de problèmes avec mon montage. Au début, j'avais un ordinateur, Windows 7, avec Movie Maker. Et ensuite, j'ai eu un nouvel ordi avec Windows 10. Et Movie Maker avait changé. Et je ne savais plus comment utiliser le nouveau Movie Maker. Désolé encore si je me gratte le nez, c'est encore avec mon allergie. Et du coup, mon père, il me disait, ok, t'inquiète pas, je vais traiter le problème. Mais puisque lui, il avait beaucoup de boulot, j'ai attendu très très longtemps avant qu'il m'explique. Et du coup, il commence à m'expliquer comment ça se passe, ce nouveau logiciel. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de pubs. Et du coup, on s'est dit, bon tiens, tant que là, il y a des pubs, ça nous énerve. Et qu'on est prêt à dépenser un petit peu d'argent. Et bon, on va aller prendre un montage vidéo bien, on va voir s'il est gratuit, et après s'il est payant, c'est pas grave. Et du coup, on en trouve un gratuit superbe, c'est Filmora. Ah, Filmora, c'est trop bien. Je pense que beaucoup de vidéos vous avez vu sponsorisées, j'ai vu ça, après j'étais en, ah ok, bah, du coup c'est vraiment bien Filmora, puisque les youtubeurs le recommandent, ouais. Et du coup, en fait, j'ai fait une vidéo avec, et ensuite on a fait tout le montage, et on l'a exporté. Et on s'est rendu compte que, en fait, quand t'as pas la version payante de Filmora, et bah tu as une barre marquant Filmora dessus. Moi, au début, j'avais ça pour mon logiciel de record. Il était tout petit, là, à peu près. Il était à peu près là, ou ici, je sais plus. Bref, il était en bas de l'écran, et ça se voyait pas trop. Mais là, ça prenait quand même le quart de l'écran. On s'est rendu compte que pour l'enlever, il fallait prendre un abonnement. Et du coup, bah, on s'est résolu à prendre cet abonnement-là.
Et du coup, on a pris cet abonnement là, un mois cher comme ça. Mais c'est très bien parce que tu peux avoir un petit budget et prendre un petit abonnement et avoir plein de trucs pour exporter et tout. Et t'as quand même plein de trucs. Et du coup, on le prend, ça se passe trop bien. Je commence à faire plein de montages et tout. Et là, ce qui se passe, c'est que ça commence à bugger. C'est n'importe quoi. Et mon ordi, en fait, commence à se faire vieux. Je sais que je ne l'ai pas depuis très longtemps, mais en fait, nous, notre pays, on est vraiment. Voyez-vous, vous êtes au moderne, nous, on est encore à la préhistoire. C'est niveau moderne, on essaye, mais c'est pas tout à fait ça. Et du coup, moi, en 2017, je prenais la plus haute gamme de un PC dans mon pays. C'était le meilleur. Mais en France, c'était vraiment pas très bon. Mais tellement l'évolution a changé beaucoup dans mon pays, puisqu'on essaye de rattraper, et ben il s'est retrouvé du meilleur PC à un PC où ça passe. Et du coup, mon PC ne supportait plus Filmora. Je ne pouvais plus faire de montage. Enfin, si, je pouvais, mais il crachait tous les 5 minutes. Cracher, c'est pour les personnes qui comprennent pas. Oui, il y a des personnes qui comprennent pas, faut pas se moquer, mais pour les personnes qui comprennent pas que mon logiciel crachait, c'est-à-dire qu'il se fermait comme ça, il y avait un problème et du coup il plantait, il se fermait. Du coup, voilà, et ça faisait un gros problème. Par exemple, je vous fais un exemple, Pikuniku, j'ai passé 2 heures à faire 10 minutes. Mais parce que ça ramait de fou. Au début, je pensais, ah, le montage c'est long. Certes, le montage c'est long. Mais pour une vidéo de gaming où t'as pas beaucoup de montage à faire, même si j'aimerais faire plein de montage dessus, c'est pour ça aussi que ça m'a pris du temps, parce que j'ai voulu chercher un bruitage, bref. Et du coup, ça prend du temps, certes, mais là, ça prenait encore plus de temps. Et en plus de ça, ce que j'ai remarqué, c'est que mon petit frère, qui est passé plusieurs fois dans la vidéo, Rekit, lui avait un projet à l'école où il devait faire une vidéo pour son école. Et moi, il m'a choisi comme monteur. Et du coup, j'ai fait le montage la nuit. Et pour 5 minutes, j'ai mis 1 heure sur chaque vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était qu'il plantait tout le temps. Il plantait tout le temps. Et c'était n'importe quoi. Et du coup, maintenant, je me retrouve à plus faire de montage et je ne peux plus faire mon montage. Et ça va être compliqué parce que j'avais fait tourner plein de vidéos et puisque les mois passés, je ne retrouve plus. Enfin, je peux retrouver, mais ça va être dur de retrouver le fichier. Le décor, parce que c'est dur car c'est. Une partie, c'est sur la caméra, une autre caméra, nous, de tous nos frères qu'on sert pour faire des bêtises. C'est une partie là, avant qu'il ait plus de place et que son trépied soit un peu n'importe quoi. Et ensuite, on a fait le reste sur mon téléphone. Et mon téléphone, il n'y a pas très longtemps, j'ai déplacé plein de vidéos dans mon ordi. Et j'avais oublié que j'avais les rushs de ça. Et mon ordi, puisque comme je vous le disais avant, il rame un petit peu, et ben ça va être dur de retrouver. Du coup, je pense que je vais faire le montage des vidéos sur mon téléphone temporairement et que je vais essayer de retrouver je vais retrouver les fichiers. Je vais poster d'abord mon décor et le truc des trépieds. Je vais tester deux et puis Kuniku, ce sera avant parce que. Excusez-moi, voilà. Du coup, cette vidéo n'aura pas de montage. C'est pour ça que c'est très dur pour moi. Il faut que j'essaye de pas dire de bêtises parce que j'essaie de la faire en one shot. Car sinon, recommencer. Là, ça fait 8 minutes que je tourne et ça fera 8 minutes la vidéo. Parce que là, c'est si jamais je peux pas faire de pause, je peux même pas relier les vidéos. Du coup, ce qui va se passer, c'est que voilà de 1 avant. Voilà de 1 pourquoi je ne fais. Enfin, de 2, de 1, bref. Pourquoi je ne fais plus de vidéos. Ce n'est pas contre moi, j'adore YouTubeur. Là, des fois, pendant le week-end, je tourne une vidéo. Et après, je suis en mode, le montage, je fais quoi? Et du coup, c'est vraiment très dur pour moi. Et c'est pour ça que je vais essayer. J'ai une amie. Elle a une très bonne application sur sa tablette et du coup j'essaierai de la voir sur mon téléphone comme ça je pourrai faire du montage, j'essaierai de vous poster une vidéo. Au début je me suis dit une fois par semaine mais là je pense que je vais essayer de poster des vidéos. Là je pense qu'il y aura un peu plus de vidéos et enfin je pense si jamais mon plan que j'imagine dans ma tête fonctionne, je vous aurai des vidéos. Et au bout d'un moment, ça rechutera comme avant le temps que j'économise, puisque je suis en train d'économiser pour un nouveau PC. Enfin, pas PC, une tour. Je me donne. Et du coup, je me suis mis un budget. Je me suis dit, ok, force, tu dois atteindre ce budget-là. Et j'ai même parlé avec une personne et il m'avait dit que ce budget c'est très bien pour un bon ordi. Du coup là je suis en train de voir tout et tout pour voir si je peux l'avoir le plus vite possible parce que là c'est plus possible quoi. Et du coup voilà. Sinon j'ai une autre annonce à vous faire. C'est que là demain je pars 3 jours, 3-4 jours,
Attends, si je compte bien, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours, 4 jours et 3 nuits, dans une île, parce que en fait, moi, c'est un archipel, et je suis dans un archipel, et je suis dans l'île avec la capitale, et autour, il y a des petites îles. Et là, je vais, normalement, j'étais censée aller à un autre endroit, mais ça a été annulé. Du coup, là, je vais aller dans un bungalow. C'est un bungalow, je sais pas, parce que moi, je dis ce mot depuis que je suis tout petit, mais je sais pas si ça se dit chez vous, mais c'est un peu une cabane petite où je vais dormir là pendant 4 jours avec la plage autour, et j'aimerais vous faire un vlog un peu à la team Crouton, en plus, ils vont bientôt partir en vacances, mais de Wish un peu, parce que là, j'aurai mon nouveau trépied. Attends, je reviens. Voilà, ce trépied-là, ici, ouh là, je cache le... Ouais, de toute façon, vous comprenez pas l'unité chez nous, du coup, ce trépied-là. Et voilà, et qui est très très utile, et je vais le monter tout à l'heure, comme ça je pourrais vloguer et tout. Et sinon, attends, je le pose là. Et du coup, ensuite, je pourrais vous faire, et je vais passer pendant... Je vais faire 2 jours, ce sera ma pote qui va monter, et 2 autres jours, ça va être moi. Comme ça, je vais l'envoyer, elle va monter, ça va être très vite, vous pourrez en avoir chaque semaine une vidéo. Et ensuite, après, le temps qu'elle me passe son application qui est, et que moi je monte, puisque je pense qu'elle est, enfin, je vais pas vous dire dans la classe qu'elle est, mais elle est classe avant moi, du coup, elle a pas d'examen en fin d'année, et elle a plus de temps libre que moi. Du coup, voilà. Et voilà, c'est à peu près tout. J'espère n'avoir rien oublié. Du coup, on récapitule un peu tout. Je raconte au début ma vie. Ensuite, bah, je vous dis pourquoi. C'est de 1, parce que j'ai beaucoup de travail. Enfin, travail, l'école. Ensuite, parce que mon logiciel de montage, c'est n'importe quoi avec mon ordi. Et de 3, bah, je vais aller dans une île et vous vloguer ça. Ça va être très bien. Je n'ai jamais fait ça. Ça va être... Génial, et je vais adorer. Et du coup, là, j'ai qu'une hâte, c'est de vous tourner là. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper. Je vais tourner juste ensuite le début en vous disant c'est bon, c'est la vidéo jour J. Oh, attends, je l'ai enlevé ça. Oh, oh cool, c'était une petite languette. Bon, bref. Vous tournez la vidéo, c'est le jour J et tout, enfin c'est demain, mais je vais vous dire, je vais vous parler et tout en disant ce qui va se passer. Et ensuite, bah, je vais vous tourner ça et tout. Parce que là, j'ai soif de tourner. Et là, je sais que le montage, ça va être fait. Du coup, là, ce que je fais, c'est que là, je coupe le rec et je mets la vidéo en ligne, vous l'aurez. Et du coup, voilà. Désolée pour ma tête, c'est juste avec la lumière, on voit beaucoup ma tête d'adolescent. Ouais, voilà. Je suis adolescent, du coup, je deviens moche et en même temps beau. Hey, non, vraiment, les gars, il faut vraiment que je reprenne les vidéos pour me recadrer. Parce que là, j'en peux plus. Aidez-moi s'il vous plaît, non, je plaisante. Bon, bref, je vous dis à la prochaine. Et là, c'est la... Vous voyez? Si j'avais un montage, j'aurais pu couper cette scène humiliante. Et là, je suis encore plus en train de m'humilier. Bon, bref, vite, il faut que je coupe cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur cette cloche. Cliquez bien, bien, bien. Et ensuite, laissez un commentaire. Dites comment, si vous voyez que j'ai changé, parce que j'ai pas mal changé depuis la dernière vidéo. Dites dans les commentaires. Dites-moi des conseils, j'espère que je vous ai manqué. Et à une prochaine, à plus!